Let us stand to read the Bible. Je crois par la grâce de Dieu. Believe by God's grace. Je vais essayer de terminer un peu ce que j'avais commencé. Try to finish what I started. Sur les tokens. Upon the signe. Exode chapitre 12. Exodus chapter 12. Verset 12. Verse 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. For I will pass through the land of Egypt on that night and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both men and beasts, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Now, the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Dieu notre Père céleste. God Heavenly Father. Ce matin encore nous sommes venus à toi. This morning again we came to you. Et nous savons que tu es le Dieu qui exauce les prières de ses enfants. We know you God that answers his children's prayers. Nous te prions que tu exauces notre prière. We pray to answer our prayers. Que tu descendes encore dans cet endroit. You come down again in this place. Nous croyons que tu es ici, Seigneur. We believe that you're here, Lord. Et nous te prions maintenant que tu puisses nous aider to help us dans cette prédication ce matin. In this sermon this morning. Que ton onction puisse être au rendez-vous. May your anointing be there. Que tu nous écartes du chemin. You put us on the side. Que tu parles à ton peuple ce matin. Speak to your people this morning. Alors que nous voulons tous compter sur toi. We all want to count on you. Pardonne-nous nos transgressions. Forgive our transgressions. Pardonne-nous nos péchés, Forgive Seigneur. Our sins, Lord. Que ton sang May your blood puisse nous purifier. Cleanse us. Puisse nous laver, Seigneur. May it wash us, Lord. Que nous puissions paraître devant toi maintenant. So we can appear in front of you sans now. Tâche, ni ride, ni rien de semblable. Stainless, wrinkless, or nothing Descends, like that. Seigneur. Come down, Lord. Prends le contrôle de l'église. Take control of the church. Et parle à ton peuple. And speak to your people. Alors que nous voulons nous attendre à toi. What we expect from you. Dès maintenant à jamais. From beginning to the end. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que nous prions ainsi avec foi. With faith. Amen. 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 Je voulais continuer un peu sur les signes. Wanted to continue a little bit about the talking. Et je vais, par la grâce de Dieu, mettre un point pour ce moment. By God's grace, I'm going to put a period for this time. Parce que, pas mettre un point, peut-être ça sera une virgule. On continuera. Nous sommes dans la série sur le Saint-Esprit. Not a period, it's going to be a comma because we are in the series of the Holy Ghost. Amen. Amen. Vous savez, Frère Branham a dit, you know, Brother Branham said que cette prédication sur les signes, this sermon upon the token, c'est une prédication phare. That's a highlight sermon de tout son ministère. From all his ministry. C'est la prédication la plus importante. That's the most important sermon. Il a dit les signes c'est l'ensemble. So the token is the set. De tout ce qu'il a prêché. Of all that he preached. Donc tout ce qu'il a prêché c'était pour amener les gens vers les signes. All he preached is to bring the people to the token. Le signe c'est le Saint-Esprit. The token is the Holy Ghost. Yes. Tout ce que Frère Branham a fait dans son ministère, All that Branham has done in his ministry, c'était pour amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Was to bring the people to the baptism of the Holy Spirit. Sans le Saint-Esprit dans ta vie, tu Without n'es rien. The Holy Spirit in your life, you are nothing. Exactly. Peu importe ce que tu peux représenter. Doesn't matter what you can represent. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Without the Holy Ghost, you are nothing. Amen. Alors nous devons courir. We have to run. Travailler. Work. Traiter nos corps durement Treat hard with our bodies. Pour arriver au baptême du Saint-Esprit. To get to the baptism of the Holy Spirit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, When you're baptized with the Holy Spirit,
Quand la vie de Christ est en toi, when Christ's life is in you, alors toute chose devient facile. Everything becomes easy. Toutes les promesses de Dieu peuvent maintenant s'accomplir. All God's promises can come to pass now. Tu deviens fort. You become strong. Même ta prière deviendra forte. When your prayer is going to become strong, yes. C'est seulement quand tu as le Saint-Esprit. Only when you have the Holy Spirit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, when you don't have the Holy Spirit, tu es en train de prier avec la force de ton corps. With the strength of your body. Tu prieras en dehors des normes de la prière. Pray out of the policy of the prayer. Tu prieras parce qu'on t'a demandé de prier. Pray because they ask you to pray. Mais tu n'auras pas vraiment la révélation de la chose que tu fais. The revelation of what you're doing. Parce que la vraie révélation vient par le Saint-Esprit. C'est pourquoi pour comprendre le message, c'est seulement celui qui est baptisé du Saint-Esprit qui peut vraiment comprendre ce que Frère Branham voulait dire. Parce que si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est l'Esprit qui a parlé au travers de Branham. Si tu as cet Esprit-là en toi, cet Esprit-là va t'expliquer ce qu'il disait à Branham. Tu peux lire même un seul paragraphe, mais le Saint-Esprit va t'expliquer beaucoup de choses. Parce que ce que tu lis là, c'est le Saint-Esprit. En fait, tu es en train de lire la chose qui est en toi. Le Saint-Esprit, c'est le point culminant. Le Saint-Esprit, c'est la chose capitale. That's the meaningful thing. C'est la chose la plus importante. That's the most important thing. Tu peux manquer toutes choses dans le monde. You can miss anything in the world. Tu peux manquer les richesses de ce monde. You can miss the riches in the world. Mais fais tout pour ne pas manquer le Saint-Esprit. Do everything to not miss the Holy Spirit. That's right. Parce que le Saint-Esprit, c'est because Dieu lui-même is God himself. Qui vient habiter en toi. God in you. Ça ne sera plus toi qui vas vivre. What be you living? Mais ça sera Dieu qui vivra en toi. God living in you. Te donnera les désirs de prier, les désirs d'écouter la parole, les désirs de lire le message. Quand tu ne sens pas ces désirs-là en toi, ça veut dire que tu n'as pas la chose qui donne la soif de la parole. En d'autres termes, tu n'as pas Dieu en toi. Je suis assez clair. Am I clear? Le Saint-Esprit est très très important. The Holy Spirit is really important. Nous pouvons prêcher le Saint-Esprit du matin au soir. The Holy Spirit from morning to evening. Du 1er au 30. From the 1st to the 30. Du janvier au décembre. From January to December. Parce que le Saint-Esprit, because the Holy Spirit, c'est la colonne vertébrale de l'Église. The spinal cord of the church. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est le sang dans les veines de l'Église. Is the blood in the vein of the church. C'est le souffle dans les poumons de l'Église. That's the breath in the lung of the c'est le Saint-Esprit qui te donne le pouvoir. The Holy Spirit gives you the power. Ça te donne la force. That gives us the strength. Pour marcher sur les scorpions. Walk up on the scorpion. Pour saisir les serpents. To seize the serpent. Cette force-là, c'est le Saint-Esprit. That force is the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. The Holy Spirit is God in you. Dieu sous forme d'esprit. God in the shape of the Spirit. Tu dis amen à ça. You do it, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est la même chose qui était en Jésus-Christ. It's the same thing that was in Jesus Christ. C'est Dieu en toi, that's God in you, qui fait de toi un Dieu. Making of your God. C'est pourquoi même quand j'ai dit sur le mystère de qui when tu es, quand you, j'ai dit que vous êtes Dieu, when I say you God, je ne m'adresse pas à tout le monde. I'm not talking to anyone. Je suis en train de m'adresser à ceux qui sont de Dieu. To those who have God. Ceux qui sont de Dieu, ils le savent. Those who have God knows. Comment est-ce qu'ils le savent? How do they know it? Parce qu'il y a une autre vie qui there's se vit en elle. Cette vie-là, c'est Dieu. Et on appelle ça le Saint-Esprit. We call it the Holy Spirit. Quand ce Saint-Esprit-là est en when toi, the Holy Spirit is in you, ça fait de toi une partie that de Dieu. You're part of God. Tu deviens Dieu. You become God. Tu dis amen à ça. You say amen to the, I do. Maintenant, now, quand cet Esprit-là est en toi, when the Spirit is in you, ça te donnera d'autres désirs. It will give you other desires. Mais le désir que tu commenceras à avoir, that you're going to start having, ça sera différent de tous les désirs que tu as eu avant. All the desires that you had before. Par exemple, for example, ça va mettre ton cœur dans l'état de ne jamais manquer l'église. Your heart in the state to never miss the church. Ça va mettre ton cœur à l'état de ne jamais manquer la prière. Quand tu manques même de prier pendant un temps, tu deviens malade. C'est automatique. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le rappelle. Mais ton corps réagit. Quand tu manques la prière, ton esprit a des allergies. Je suis assez clair. Quand tu manques seulement de prier, à 14h là, tu deviens malade. You become sick, yes. Ton esprit commence à gonfler. Your spirit starts sweating. Tu as besoin de médicaments. You need medicine. Ces médicaments-là, c'est la prière. That medicine is the prayer. Le Saint-Esprit est très important, the Holy Spirit is really important, beloved one. C'est ce qui fera que tu aimes les gens that automatiquement. Will make you to love people automatically.
automatiquement. Yes. Ce qui fait que tu sois en contact avec les gens. Well, que tu parles avec les gens. For you to talk with people. Yes. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Quand cet esprit-là est en toi, the Spirit is in you. Tu ne marcheras jamais avec le front courbé. You will never walk with your bow down. Parce que seulement cet esprit-là, because of the Spirit, c'est une révolution. That's a revolution. Quand cet esprit-là est en toi, automatiquement tu as des réactions de la révolution. Je dis automatiquement, tu n'aimeras jamais la puissance contraire. You will never love the contrary power. Aussi longtemps que tu es à côté de ça, as long as you're the même enemy, ton corps te signalera. Your body will tell you. Je ne sais pas si je suis clair. I don't know if I'm clear. Si tu as le Saint-Esprit en toi, if you have the Holy Spirit in you, c'est Dieu. That's God. C'est ta tour de contrôle. That's your top. C'est le contrôleur de ta vie. That's the control of your life. En d'autres termes, in other words, c'est le contrôleur de tous les avions qui passent à côté de toi. Coming on your side. Dans un pays in comme les États-Unis d'Amérique, like the United States of America, il n'y a pas un avion qui peut circuler l'espace de Charlotte sans que la tour de contrôle puisse savoir qu'il y a un avion qui passe ici. Si un avion passe sans se signaler chez le tour de contrôle, automatiquement on va là-bas, on va le bombarder. Automatiquement, ça sera une réaction automatique. Je ne sais pas si vous me lisez en calélie. Vous me lisez? Are you reading me? Vous me comprenez? Do you understand me? Il n'y a pas un avion qui peut surpasser, survoler l'espace aérien d'un pays sans que la tour de contrôle soit informée. Maintenant, le Saint-Esprit est ta tour de contrôle. Il n'y a pas un esprit mauvais qui peut survoler ton espace aérien sans qu'il y ait des signalisations dans ton corps. Yes, sir. Il faut que ton corps ait des allergies. Mais je ne me sens pas bien. I don't feel well. Mais qu'est-ce qui se passe? What is happening? Qu'est-ce qui se passe autour ici? What is happening around here? Alors, cet esprit-là te dira, il y a un danger qui vient. Il y a un avion qui te survole. Il y a un avion qui survole. Alors tu appelleras. You will call. Toi, avion qui survole. Donne-moi ton identité. Give me your identity. Si l'avion là ne répond pas, tu es dans l'obligation d'abattre cet avion là. Parce que tu ne sais pas, peut-être que cet avion là vient bombarder la Maison Blanche. Je suis assez clair. Le Saint-Esprit, c'est notre réaction rapide. Quick reaction. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne vas pas cajoler l'esprit qui est contraire à Dieu. Non, ça ne marchera pas. In one word. Ça ne marchera pas. One word. Le Saint-Esprit te donnera les techniques, will give you the techniques, les stratégies, the strategy pour vaincre. Praise the Lord to win. Et le Saint-Esprit ne marche que avec le Saint-Esprit. With the Holy Spirit. Ça, c'est très profond. That's very deep. Le Saint-Esprit n'est pas ami d'un mauvais esprit. Of an evil spirit. Non. No. Non. No. Le Saint-Esprit marche avec le Saint-Esprit. With the Holy Spirit. Yes. Est-ce que vous me comprenez? You understand me? Yes. Entre le Saint-Esprit et le mauvais esprit, il y a toujours une guerre. There's always a war. Cette guerre-là a commencé au ciel. That was started in heaven. Ça se terminera à la fin. That will end at the end. On n'a pas à attendre we cannot wait que l'arbitre puisse siffler. For the whistle, pour vous dire que maintenant la guerre est déclarée. So attaquer, non. Attack, no. C'est automatique. That's automatic. C'est automatique. Automatic. Partout là où anywhere l'enfant d'Ismaël trouve l'enfant d'Abraham. Ah. The tent of Israel fight the tent of Israel. There's a combat. Il y a un combat. There's a combat. Il n'y a jamais eu intérêt d'attendre. There's never been a grant to others. Même si vous faites comme si vous bandiez au Yokana. Après, on va vous donner un knife. Toujours comme ça. All the time like this. Il y aura toujours des combats. All the time the combat. Mais le Saint-Esprit, c'est ta force. Don't it be your strength.
Quand le Saint-Esprit est en toi, ça te met au-dessus de la mêlée. Yes. Tu es au-dessus de tous les esprits. Tu marches sur ça. You walk upon it. Le Saint-Esprit te donne le privilège de marcher sur les esprits méchants. You walk upon the evil spirit. Amen. Yes, sir. Le Saint-Esprit te donne la capacité de parler contre un esprit que tu ne vois pas. That you don't see. Et la chose arrive. And the thing happens. Tu as besoin du Saint-Esprit. Yes, sir. Yes. Tu as besoin de ça. You need it. Yes, sir. Notre combat de chaque jour, c'est de maintenir cette puissance-là en nous. To keep that power in us. Parce qu'elle est très importante. Because it's really important. Très importante. Very important. Mais on doit aimer ça. We have to love it. On doit aimer cette puissance-là. We have to love that power. On doit aimer Dieu. We have to love God. Yes, sir. Tu dois aimer Dieu. You have to love God. Tu dois aimer cette puissance-là en toi. You have to love that power in you. Tu dois dire, Seigneur, je t'aime. Say, Lord, I love you. Reste dans mon cœur. Stay in my heart. Zalaka kayangai. Just to be mine. Kokabulanga na mutute. Zalaka yangai. Just to be mine. Est-ce que vous comprenez? You understand? Yes. Femme, on m'a dit que David avait 1500 femmes. Bible said David had 500 wives. David. David. Mais chaque femme but de David. Of David. Ne considérez jamais David, never consider David comme leur mari. Their husband. Mais elle considérait David, but she considered David comme son mari. As her own husband. David était sa propriété privée. His own property. Si David allait être chez lui le lundi, David would go with Monday, le lundi là c'est pour elle. That man is for her. Elle ne veut même pas s'occuper du mardi. She doesn't want to take up that. Elle dit lundi est Zayangai. Zayangai. That's why. Vous me comprenez? You understand me? Le Saint-Esprit doit devenir ta propriété privée. The Holy Spirit gotta become your private property. Amen, amen, amen. Yeah, yo. Yours. Quand tu marches, tu dis Nzambo Yangai. Well, you say my God. Nzambo Alingangai. My own God. Vous me saisissez très bien. Get ton Dieu, yoga. Ah, ton Dieu. Le Saint-Esprit c'est un signe. The Holy Spirit is a token. Un signe. A token, yes. Que Dieu donne à ses enfants. That God gives to his children. Pas n'importe qui. Not anyone. Pas n'importe qui. Not anyone. Quand tu sais que tu as le Saint-Esprit. When you know you have the Holy Spirit. C'est fini. That's it. Sachez que tu es un enfant de Dieu. Know that you're a child of God. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas tomber, cannot fall. Même par chance. Even by chance. J'ai un enfant du diable. To a child of the devil. Non. No. Un enfant du diable est constitué par des mauvais matériaux. And bad materials. Le Saint-Esprit ne peut même pas faire oh, l'atterrissage forcé. Oh, il y avait un danger. Un coquille tâtait. It's not going to get down. Le Saint-Esprit n'atterrit que chez les enfants de Dieu. The children of God. Un groupe de gens a group of people prédestinés predestinated pour aller au ciel. To go to heaven. Alors, si toi tu reçois le Saint-Esprit, if you receive, you receive the Holy Spirit, alors là tu dis comme Paul, then he says, Paul, qu'est-ce qui me séparera de l'amour what would de Christ? Separate me from the love of Christ? Quoi? What? Parce que même si je suis malade, but even though I'm sick, même si je meurs, but though I die, je sais que je pars au ciel. I know I'm going to heaven. Rien ne pourra me séparer de lui. Nothing can separate me to him, from him. Rien. Yes, nothing. Le Saint-Esprit est très important, bien-aimé. Really important, beloved one. Yes. Tu peux connaître le message par cœur. You can know the message by heart. Tu peux connaître tout le monde qui a cru le message. You can know depuis le temps de Branham jusqu'à maintenant. Now. Tu peux être avant. Tu peux avoir des bons amis comme le frère Joseph Branham. Tu peux avoir des bons amis comme le frère Ferguson. Tu peux avoir des meilleurs amis comme les gens qui étaient avec Branham. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu iras en enfer. You go to hell. Tu dois. Strength. Yes. Je veux blesser les gens. I'm gonna hurt people. Dieu a dit à frère Branham. God told Branham. Avancez, les gens qui t'ont aimé. The people who loved you. Même ceux dont toi tu as aimé. Even those that you love. Je te les donne. I give them to you. Tu seras avec eux au ciel. You will be in heaven. Je dis amen à ça. I say amen to that. Mais je dis encore ce que Branham a dit. I say again what Branham saying.
Le ciel, tu n'y entreras pas par les amitiés. You won't get into heaven by friendship. Le ciel, chacun doit avoir le Saint-Esprit. Parce que quand ils étaient en Égypte, Dieu dit à Moïse, vous devez appliquer les signes. Vous devez mettre les sangs sur tous les lintons. Frère Branham a dit, même mettant la maison là où Branham, là où Moïse était, si le sang n'était pas appliqué, la mort allait entrer là-bas. Ne me dis pas que cela rentrera au ciel parce que je l'aime. Non. Ne me dis pas ça. Il doit recevoir le Saint-Esprit. Il doit recevoir le Saint-Esprit. Détrompe-toi. Oh, mon Père entrera au ciel parce que moi, je l'aime et j'écris le message. C'est une affaire individuelle. Chacun doit recevoir le Saint-Esprit dans son âme. Et ça doit être visible. Il doit s'identifier à ça. Ça, c'est très profond. Mais je vais vous le lire. Let me read it to you. Parce que Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, en Égypte, quand il devait sortir, when they were to leave, chacun devait mettre les signes. Each one was to apply the token. Chacun devait le faire. Each one was to do it. C'est au paragraphe 78. Paragraph 58. No matter how loyal a member you are, peu importe combien longtemps vous avez été un membre, you might be whatever you may be. Vous pouvez être n'importe quoi que vous êtes. A good man or a good woman. Un bon homme ou une bonne femme. That sure is fine. Ah, ça, bien sûr, c'est bien. We do appreciate that. Nous apprécions cela. But only the token will keep you alive. Mais c'est seulement le signe qui va vous garder en vie. God's token. Le signe de Dieu est même. You might be a student of the Bible. Vous pouvez être un étudiant de la Bible. You might be a good person. Vous pouvez être une bonne personne. You could even be the president. You pouvez même être le président. You could be anything you want to be. N'importe quoi que vous voulez être. There is no excuses. Il n'y a aucune excuse. Yes, sir. Yes. There is no excuses. Il n'y a aucune excuse. Amen. Tu peux être ce que tu veux être. You can be what you want to be. L'ami de tel. Friend of such. Le fils de tel. Son of such. La fille de tel. Daughter of such. C'est une bonne chose. That's a good thing. Mais tu dois avoir le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Am I saying something? Mes frères. My brother. Je peux souhaiter que David soit un prédicateur ici. I can wish for David to be a preacher. C'est le souhait. That's the wish. Mais David doit remplir les conditions. But David gotta be the revival. Que Branham a dit avant de tenir le micro. Parce que Branham a dit avant de passer derrière la chair, tu dois faire l'expérience de tout son temps. Amen, amen, amen. Tu dois rencontrer Dieu face à face. Tu ne peux pas prêcher selon les souhaits de ton père. Ça ne marchera pas. Ça ne tiendra jamais. Le souhait du père. Peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ça demande l'expérience de quelqu'un. Chacun doit rencontrer Dieu. Si moi j'avais été placé ici, parce que je suis beau fils de Baruch, je serais mort. Je serais mort. Parce que quand je prêche, il y a des attaques qui arrivent. Même pas dans cette salle. Mais il y a les gens qui me suivent à l'internet. Je vous dis la vérité. Mais faire prêcher, c'est bien. To preach is good. Mais amener quelqu'un à la repentance. Bring someone to the repentance. Ça, c'est plus que les souhaits de ton père. More than your father's wish. Ça, that, ça doit être un ministère. Gotta be a ministry. Que Dieu confirme. That God vindicates. J'ai dit quelque chose. Et moi, c'est ça. Oui, mais c'est merveilleux. Yes, sir. You may be who you are. Vous pouvez être ce que vous êtes là. Et tu peux être ce que tu veux. You can be what you want. Tu peux être un étudiant de la Bible. Bible. Tu peux être une bonne personne. You can be a good person. Tu peux avoir de bons amitiés avec des gens. With people. C'est une très bonne chose. That's a very good thing. But there is no excuses. Mais il n'y a aucune excuse. Amen.
No excuses. Aucune excuse. Le signe, c'est la chose qui est demandée. The token is what is required. Mes frères, je vais encore descendre. Let me get that some more. Tu peux donner beaucoup d'argent à l'église. You can give a lot of money to church. Tu peux même construire pour nous l'église. You can build for the church. Tu peux être l'ami du pasteur à ta piste. You can be the friend of the pastor. C'est une très bonne chose. That's a very good thing. Mais la meilleure chose que Dieu te demande, the best thing God is asking you, c'est le signe. Is the token. Amen. Amen. Le signe. Amen. The token. Écoutez-moi très bien. Listen to me very. Quand ils devaient quitter l'Égypte, when they were to leave Egypt, la seule chose qui les épargnait de la mort, c'était le sang. What's the blood? C'était le signe. What's the token? Pas un signe qui est caché. Not the hidden token. Mais un signe qui était visible. The visible token. Everybody ought to see that sign. Tout le monde veut voir ce signe. Yes. Ça ne peut pas être caché. That cannot be. Oh non, moi j'ai acheté ma nouvelle, mon nouvel habit. Mon nouveau habit, je vais apporter ça après. I'm gonna bring it later. Tu gardes ça. You keep it. La fête est en train de se passer. And the party, tu as toujours l'habit dans la main. You left the clothes, the clothes. Tu n'as rien fait. Suitcase. You didn't do anything. Tu n'as rien fait. You didn't do anything. Oh non, on nous a demandé de tuer l'agneau. Yes, to kill the lamb. Oui, je vais tuer l'agneau. Yes, I'm gonna slay the lamb. On va bien bouffer l'agneau là. I'm gonna eat the lamb. Mais le sang. Mettez sur mon mur là. Put it on my wall. Je vais salir la peinture qu'on avait placée. I'm gonna put the dirt up. L'ange de la mort entrera. Et il frappera. He will strike. Oui, c'est vrai. Même chez l'ami intime à Moïse. Intimate friend of Moses. Yes. Même chez la personne que Moïse a aimé, même chez la personne qui a aimé Moïse, il fallait que le sang soit visible. Sans le sang, c'est la mort. C'est la mort. Détrompez-vous. Quelqu'un ira au ciel parce qu'il est ami de tel. Non, ce n'est pas ça. Vous m'aimez, je le sais. You love me, I know. Mais vous devez plus aimer Dieu que moi. You have to love God more than me. Aimer Dieu, c'est aimer, c'est garder ses commandements. God is to keep his command. C'est que le Saint-Esprit doit être en vous. The Holy Spirit can say in you. My. Exact vérité. Yes. Je vous dis la vérité. Yes, that's the truth. Enlevez cette phrase-là de votre tête. Remove that sentence from your head. Que nous serons au ciel. We shall be in heaven. Allez ça. Remove it. Allez ça. Remove it. Parce que j'ai aimé le pasteur Barouti. Because I love Pastor Barouti. Parce que j'ai aimé frère Branham. Because I love Brother. Enlève ça. Remove that. Tu as besoin des signes. You need the token. Yes. Tu as besoin de Dieu. You need God. Yes. Le Saint-Esprit. Visible. Yes. Yes, sir. Je ne dis pas les émotions visibles. Mais je dis les signes visibles. Visible sign. Token. Si vous comprenez ça, dites amen. You understand? Say amen. I say amen a thousand times. Praise the Lord. My. Frère Bonhomme dit ceci. Frère Bonhomme says this. Au paragraphe 73, je vais lire. I'm a read. Now remember. Maintenant, rappelez-vous. A Jew could have come up and said. Un Juif pouvait venir et dire. I will take you men aside. I believe that to be the truth. Je vais prendre quelqu'un, mettre de côté. Je crois que c'est la vérité. I believe Moses the prophet. Je crois que Moïse est un prophète. I believe that pillar of fire that's guiding him. Je crois que la colonne de feu qui est entrée en lui. Qui le conduisait? Ah, qui le conduisait? I believe that is Jehovah. Je crois que c'est Jéhovah. You may witness all of it. Ah, vous pouvez être témoin de tout ça. Believe all the words. Croire en toute la parole. All the message. Tout le message. But yet say. Mais cependant dire. Now I'm just as well off as you because I am a circumcised Jew. Maintenant là, nous sommes la même chose parce que je suis un Juif circoncis. Ça c'est Branham qui parle. That's what I'm talking. That's right. Tu peux dire que je crois à Moïse. You can say, I believe in Moses. Il est vraiment un prophète de Dieu. He's a prophet of God. Je crois à la colonne de feu qui les conduit. Je crois à toute la parole. Believe all the words. Je crois à tous les messages. I believe the message. Je dis que oui, je suis la même chose comme vous. Je suis circoncis exactement comme toi. Just like you. Frère Branham a dit. What I'm saying. If he did not have the blood in the night of the Passover. Si il n'y avait pas le sang dans la nuit de la Pâque, no matter what you say, peu importe ce que tu dis, he died just the same. Alors il mourra exactement
de la même manière. Comme les Égyptiens. Là, tu dis, yes, sir. Praise the Lord. Tu peux croire à Moïse. Croire à la colonne de ceux qui les conduisaient. Croire à toute la parole. Croire à tous les messages. Femme m'a dit, all the messages. Et dire que je suis circoncis comme les autres. Et nous tous, nous sommes la même chose. Mais à cette nuit-là, quand l'ange de la mort passait, si le sang n'était pas sur les linteaux, tu mourras comme tous les autres. Amen, amen. Yes, sir. Tu dis amen à ça. You say amen to, I say amen, yes, and today, et aujourd'hui, every church, chaque église, every individual, chaque individu, that isn't and cannot display that token, qui n'est pas et qui ne peut pas afficher ce signe, of the Holy Ghost, ou le Saint-Esprit, is spiritually dying and he will die. My. Est en train de mourir spirituellement et il va mourir. My. That's the truth. Est-ce que c'est compris? Is it understood? Moi, je suis l'ami de Joseph. I'm the friend of Joseph. Quand je vois les enfants de Branham, ça me donne la chair de poule parce que c'est le sang de Branham. Je m'en fous de ça. Si tu ne displays pas des tokens, you are spiritually dying. Ah, and you will die. Et tu vas mourir. Amen. J'aime ça. Alléluia. The token. This is what is required. C'est ce qui est exigé. This is the requirement. C'est l'exigence. To avoid the death. Ah, pour éviter la mort. Il faut les signes. Tu peux faire des émissions comme tu veux. Tu peux aller dormir au pied de Joseph Branham. Mais si les signes n'est pas display, you are going to die. Tu vas mourir. Amen, amen. C'est la vérité. No matter what, peu importe ce que you will die. Tu mourras. No matter how much you believe in the death. Peu importe combien vous croyez dans la dans l'adieu. In the death, the burial, la mort, and the resurrection. L'assévérissement, la résurrection. No matter how much you can repeat the apostles' creed. Vous pouvez répéter le credo apostolique. Go ahead, repeat it. Allez, répétez. Or whatever you might do. Ou tout ce que vous pouvez faire. No matter how much you are well educated. Combien vous êtes bien éduqué. And how and what the theological experience you've had. Ah, et quel, n'importe quel genre d'esprit théologique que vous avez. Oh, je fais 40 ans, 50 ans dans le message. I don't care. You might have a doctor's degree. Vous pouvez avoir un doctorat. And a bachelor of arts. Ou bien une licence dans les arts. And whatever more, a DD, a LD, a doctor of Latin, or whatever you might be. Vous pouvez avoir un doctorat en divinité, un doctorat en latin, ou n'importe quoi. Or a literature, or something else. Ou bien dans la littérature. But that will not do it. Mais cela ne va pas régler la faim. There must be the token display. Le signe doit être affiché. Yes. You need to display your token. Vous devez afficher le signe. Somebody has to see that you are a Christian. Quelqu'un doit voir que that you have the Holy Spirit in you. Tu dois avoir le Saint-Esprit. The Holy Spirit is alive. Le Saint-Esprit est when that life is in you, quand everybody will notice it. Tout le monde va le remarquer. I say everybody. Je dis tout le monde, c'est vrai. C'est vrai. That's the truth. That's the exact truth. Yes. Yes, sir. Ça c'est fort. This is something. C'est très sérieux. Fabien m'a dit tout ce que je prêchais là. Les sept sauts, les tout ce que je prêchais là. C'est pour vous amener à ça. To bring you to this. En d'autres termes, in other words, tu peux mémoriser les livres de sept âges de l'église. Tu peux mémoriser les livres de sept sceaux. Tu peux mémoriser tout ce que tu peux. Mais aussi longtemps que le signe n'est pas affiché, you are dying. Tu es en train de mourir. And you will die. Et tu vas mourir. The token must be displayed. Le signe doit être affiché. Ça doit être affiché. That cannot be displayed. Le diable n'a pas peur de comment tu pries. Is not afraid of how much you pray.
Il n'a pas peur de ta force et du muscle. Mais fois, il y a des problèmes pour lesquels tu ne prieras pas. Mais la réaction venant de toi, ça guérira ces problèmes-là. Parce que le diable a peur de la chose qui se trouve en toi. Le diable n'a pas peur de tes Français. Il n'a pas peur de tes Anglais. Il n'a pas peur de ton intelligence. Le diable a peur de la chose qui habite en toi. Il n'a pas peur de comment on peut prier. C'est pourquoi j'ai dit on doit prier selon les normes. We have to pray according to the policies. Les premières normes, la première norme. The first policy. Le Saint-Esprit dans l'âme de quelqu'un. Holy Spirit in someone's soul. Oui, oui, c'est vrai. Exacte vérité. Father, I'm saying today. Father, I'm saying aujourd'hui. The Exodus. Is calling out of the systems. C'est de sortir du système. Into the bride. Dans l'épouse. Calling people out of the systems. À faire appeler les gens à sortir hors du système. And bring them to the bride. Et les amener dans l'épouse. No matter how much system you are in. Peu importe combien de systèmes vous a guéri. Non. No matter how much system you are in. Ah, peu importe. Combien de systèmes auxquels vous appartenez? It still requires the token. Cependant, cela demande toujours les signes. Now, what is the token required? Maintenant, qu'est-ce que le signe demande? What is the required token? Ah, quel est le signe qui est demandé? The life of Jesus Christ again in you. Ah, la vie de Jésus-Christ en vous. Nothing else will work. Rien d'autre ne marchera. Still the token is required. Ah, toujours le signe est demandé, exigé. Amen. Nothing else will work. Rien d'autre ne marchera. Nothing. Rien. Nothing. Rien. Josué dit arabe. Joshua told the Arab. Tu veux être sauvé? Want to be saved? Prends cette corde ici. Take this rope. Ce fil cramoisi. This crimson rope. Mets ça. Put it. Dans, sur ta fenêtre là. Over your window. Ce sont des émissaires de Josué qui ont dit. These are sent from Joshua. Quand nous viendrons que nous verrons ça. We'll see that. Vous serez épargnés. You'll be spared. S'il n'y a pas ce signe ici. If this token is not there. You will die. Tu mourras. Rabbe pouvait faire des journaux. Rabbe could have papers. Au moins, il m'avait promis. He promised to me. Quand il viendra, il va me protéger. When he's gonna come, he's gonna protect et moi et tout ce qui sera dans ma and maison. All that is my house. C'est pas un problème. No problem. C'est pas un problème. That's not a problem. Les espions ont dit à Rabbe. The spies told Rabbe. Si tu ne respectes pas ce concile, ton sang ne retombera plus sur nous. Your blood will fall on us. Sur toi-même. But upon yourself, ça sera toi en train de briser notre promesse. You breaking our promise. La seule manière pour que Rahab soit protégé, the only way for Rahab to be protected, c'était que ce fil cramoisi soit là. Was that crimson rope to be there. Sans ce signe-là, without the token, c'est la mort. That's death. Elle allait mourir she died, comme tous les habitants de Jéricho. All the inhabitants of Jericho. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Yes, écoutez-moi I... très bien, bien-aimé. Listen to me very tight, beloved one. Sans le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, without the baptism of the Holy Spirit in your soul, le Saint-Esprit dans ton esprit, the Holy Spirit in your spirit, ça te donne les émotions. Gives you emotion. Oui, c'est ça. Yes, sir. Même des messages prophétiques. Even the prophetic message. Le Saint-Esprit dans ton corps, the Holy Spirit in your body, ça te donne une sainteté fabriquée. Gives you a made up holiness. Aujourd'hui, tu es saint. Today you're holy. Demain, tu tombes. Tomorrow you fall. C'est le Saint-Esprit dans ta chair. That don't feed your flesh, yes. Tu tombes aussi sous l'onction, on est you content. Fall under the night, we happy. C'est bien. That's good. Mais malgré que tu as ça, despite you have it, si Jésus revient aujourd'hui, Jesus comes back today, tu restes. You stay. Tu vas mourir. You will die. That's right. Qu'est-ce qui est demandé? What is required? Le Saint-Esprit dans l'âme. The Holy Spirit in the soul. Quand le Saint-Esprit dans l'âme when de quelqu'un, alors ça produit la vie de Christ. It produces Christ's life. Là maintenant, les œuvres que je fais, the works I do, vous les ferez aussi. You do them as well. Là maintenant, now, the mystery of who you are, le mystère de qui vous êtes, you are God. Vous êtes Dieu.
C'est quand le Saint-Esprit est où? When the Holy Spirit is where in your soul. Et quand c'est dans ton corps, where is it in your body? Tu peux des fois ne pas le savoir. Sometimes you don't know it. Tu peux le savoir ou pas. You might not, or yes. Dans l'esprit, c'est la même chose. In the spirit, it's the same thing. Mais quand c'est dans l'âme, when it's in the soul, c'est la demeure finale. That the final abiding. Du Saint-Esprit en toi. Of the Holy Spirit in you. Là, même si on te creuse les yeux, even though they pierce your eyes, tu verras que tu as Dieu. You will see you have God. Tu sauras que you Dieu est là. That God is in there. C'est la vérité. C'est là que nous voulons amener Dieu dans that ta vie. We want to bring God in your life. Il peut être dans ta tête. He can be in your head. Il te donnera des citations. He'll give you quotes. La facilité de mémoriser les citations. Easiness to memorize quotes. Comme on dit dans la prédication, la séance du serpent, au paragraphe 243, à la ligne numéro 2, verset tout ça, c'est écrit même en bold. C'est comme ça. Comme on dit ça. C'est bien. That's good. Mais tu resteras. But you will stay. Tu resteras. You will stay. La chose demandée, the thing required, c'est la vie. It's the life. C'est la vérité. La vérité. C'est la vie. The life, yes. De Dieu. Of God, yes. En yes. Toi. In you, yes. Dieu doit devenir chair. God has to become flesh. Une réalité. A reality. Dans ton âme. In your soul. Voilà ma prédication. Look at my sermon. C'est merveilleux, c'est glorieux. Dieu en toi. God in you. C'est ça le signe. That's the token. Sans cela, without that, tu es perdu. You are lost. Amen. Tu es foutu. You are done. Sans cela, tu ne feras rien. Without that, you won't do anything. Absolument rien. Le signe doit être displayed. The token has to be affiché. Ça doit être affiché. That's going to be displayed. Les gens doivent voir. People have to see. Ils disent que non. They say no. Elle vraiment nous comptons sur elle. We really count on her. Lui vraiment en tout cas. Him really. Nous comptons sur lui. We count on him. Il a Dieu. He has God. Ça doit être clair. That's gonna be clear. Yes, that's right. Yes, sir. Quand un frère a beaucoup d'argent. When a brother has a lot of money. Et que nous comptons sur lui. We count on him. Ok, tu comptes sur lui. You count on him. Dans ta famille. Your family. Tu as raison. You're right. Parce que tu sais qu'il a l'argent. Because you know his money. C'est visible. That's visible. Il a l'argent. He has money. Tu sais que l'autre n'a pas d'argent. No, the other one doesn't have money. Il n'a rien. Doesn't have anything. Tu ne perdras même pas le temps pour l'appeler, même pour what lui dire bonjour. What was your time to call him even to say good morning? Parce que tu diras, je perds même mes unités. Say, il n'a rien. I'm losing my credit. He doesn't have anything. Mais lui, il a l'argent. C'est vrai, j'appelle telle fois. But he called such a. Ah, yeah, yeah. Yes, sir. Yaya, then you go. How's it going? Yaya, vive na yaya. I live. Yaya, umela. I just be there. Hello, for a boss. Olo bini go. At the end, you say, boss. Hello, I'm a cash boss. What do you say? I need some money. C'est normal. That's normal. C'est normal. That's normal. Yes. C'est normal. That's normal. Pour que les gens puissent compter sur toi, the people to count on you, they have to see a substance. Ils doivent voir une substance. Ils doivent vraiment voir. They have to see que tu as Dieu. That you have God. Que après ma quelle le nous soit ça. Après tout ce qu'il fait là, le chute qu'il fait sous l'onction, sa vie témoigne. His life witness. La vie parle mieux que ce que tu dis là. What's better than what you say? Yes, yes, sir. That's right. Ta vie parle mieux. Your life talks better. Yes. Les amis avec qui tu marches, c'est ce qui nous montre l'esprit qui est en toi. Un vrai baptisé du Saint-Esprit. Ses amis seront les gens qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'ils vont parler de Dieu. He'll talk about God. Un ami du monde n'acceptera pas qu'on parle de Dieu avec lui. Je vous dis la vérité. Il peut sembler être doux. Il peut sembler être bon, mais la finalité c'est inviter lui chez toi. D'où lui vient les dimanches à notre église, il te dira non. Il te dira non. Il te dit non. Le Saint-Esprit marque la différence entre toi et lui. Tu en as besoin.
You need, chacun de nous dans cette église. J'invite même aux Syriens de se désarmer pour qu'ils cherchent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la force. C'est la puissance qui est au-dessus de tout ce que les Syriens peuvent avoir. Il n'y a pas de munitions qui dépassent le Saint-Esprit en force. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous qui avons le Saint-Esprit, on nous a donné le pouvoir de saisir les serpents, de marcher sur les scorpions, de dominer même sur l'esprit que tu as. C'est un ordre que Dieu m'a donné. Je dois l'accomplir. Dieu m'a donné l'ordre de saisir les serpents, de marcher, d'écraser les scorpions. Dieu m'a donné l'ordre de marcher sur la puissance mauvaise que tu as. Mais toi, tu n'as jamais reçu l'ordre de marcher sur moi. Mais moi, j'ai reçu l'ordre. Et aussi, j'ai le pouvoir. Oh, j'aime ça. D'écraser ton esprit. To crush your spirit. J'invite à tout le monde. I invite anyone. Qui a un esprit contraire au Saint-Esprit. Peu importe là où tu m'écoutes. N'écoute pas Lucifer. N'écoute pas Satan. N'écoute pas ces gens-là. Qui veulent t'initier dans la franc-maçonnerie. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez recevoir le Saint-Esprit. C'est une puissance qui va t'enlever. Le Saint-Esprit donne la puissance. La victoire à l'école. The victory in school. Dans la vie professionnelle. In the professional life. Dans ta marche. In your walk. Ça te donnera le courage. That give you the courage. Des fois, le manque de courage, c'est le manque du Saint-Esprit. Sometimes lack of courage is lack of the Holy Spirit. Le manque des initiatives, c'est le manque du Saint-Esprit. The lack of the Holy Spirit. Le manque des idées. Lack of ideas. Parce que Dieu en toi you, ne peut que te produire des idées. Can give you only ideas. Des idées. Ideas. Le Seigneur doit t'aider. The Lord has to help. Il doit te parler à chaque instant. To you every time. Ma fille. My daughter. Ma fille. My daughter. Je t'aime. I love you. Tu dois arriver au point que Dieu te parle. The point that God speaks to you. Est-ce que vous me saisissez, Église? Are you getting me, church? Je suis en train de partir lentement pour toi. I'm going slow for you. Pour que tu me comprennes. So you can understand. Le Saint-Esprit est très important. The Holy Spirit is very important. You need him. Vous avez besoin de lui. You need the Holy Spirit. Vous avez besoin de Saint-Esprit. Moi, je te conseillerais même de fuir le travail. To run away from de rester à la maison. Que tu te fermes pendant une semaine. Close yourself for 1 week. Pour dire à Dieu, Seigneur, tell God, Lord, je vais mourir dans cette chambre. I'm dying this, yes, in this room. Si tu ne me remplis pas du Saint-Esprit. You don't fill me with the Holy Spirit. That's why. Amen. Yes, amen, amen. Amen. Yes, amen. Parce que tu as un travail à Because faire. Because you have a work. Le travail que Dieu te demande de faire pour God lui, to ça ne peut pas se faire sans Dieu. Cannot be done without God. Faut que Dieu soit en toi God has to be pour t'aider de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Do what God wants you to do. Sans Dieu, without God, tu seras toujours en retard à l'église. We'll be late to church all the time. Parce que Dieu en toi va bouger ton cœur pour te dire que tu dois m'amener à l'église à temps. Est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est très profond. Dieu en toi, il va te faire la pression d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Un chrétien ne peut pas rester pendant une semaine, pendant une journée sans prière. Ça ne marchera pas. That won't work. Ça ne marchera pas. That won't work. Faut un homme dire dans cette prédication. Why am I saying this sermon? Si je vous dis que j'ai l'esprit de ninja en moi. I tell you that I have the spirit of the ninja in me. Je ferai ce que ce gars-là faisait. I'll do what that man was doing. Si j'ai l'esprit de l'ifoko en moi. If I have the spirit in me. Je vais écrire des chansons. I'm going to write songs. Vous me verrez avec la guitare. You see me with the guitar. En train de vous chanter. Sing it. Yeah, that's right. Yes, yes. Amen. Amen. Si j'ai l'esprit de Baruch à moi, the spirit of Baruch in me, vous me verrez faire le même signe que Baruch. Doing the same sign as Baruch. Le même chose. Yes, il n'y a pas une explication à donner. There is no explanation to give. Vous-même vous direz, oh, ça c'est Baruch, non? You say that's Baruch. That's ça right. C'est Baruch, non? That's Baruch, right? Yes, yes. C'est normal. That's normal. Si tu as l'esprit d'attaper sans toi, if you have other spirit in you, tu ne dormiras pas tranquille. Ma, you will sleep at peace. Avant de dormir, tous les jours ta main souffrira. Before sleeping, every day your hand is going to suffer. Yes, sir.
Non, ça qui obat Manassé. On fout comme il a go fou comme on coule. Attends à l'icolam bête. You went on your pet. C'est ce que moi je fais. Because that's what I do. J'étais là sur le lit, je vais dormir. I want to sleep. J'ai dit à Seigneur. I said, Lord. Moi je dors comme ça, ta fille est malade là. I sleep, your daughter is sick there. Donc tu n'as même pas sending the fight. The fight. Et tumba bambou. Let it break them over there. Et pongé son coup dans le bon. And the sleep is going to find you doing this. Okay. Et là, surtout quand le bon, n'a pas qu'il n'a pas de lit, papa. Ok, qui n'a pas de lit. I started though again. You didn't hear me well. Ah, mais oui. Yeah, si tu as l'esprit d'Atapis en toi, tu ne viendras pas demander à Atapis. J'ai vu les Syriens là-bas. La salle est mine. What should I do? Je vous dis vrai. Tell you the truth. Si tu as l'esprit dans ta puce en toi, tu t'en seras comme un fou pour Jésus. Tu vas transpirer pour Jésus. Tu vas aimer Jésus. Je vous dis vrai. Maladie ou pas maladie. Sickness or no sickness. Tu élèveras Dieu. We lift up God. Yes, sir. Si tu as la vie de Jésus en toi, Jesus life in you. Jésus priait. Jesus was praying. Jésus faisait du bien. Jesus was doing good. Yes. Il guérissait les malades. Was healing the sick. Ça sera visible. That will be visible. C'est vrai. Ça sera visible. That will be visible. C'est vrai, l'exact vérité. Visible. Visible. Je veux que ça soit pour vous. I want that to be for you. C'est yes, pourquoi j'ai prêché cette prédication. That's why I preach this sermon. On doit arriver. We have to get. Frère m'a dit. Proverbs 8. Au paragraphe 108. Paragraph 108. Non, paragraphe 107. Not 107. Brother William says this. God is warning us. Dieu nous avertit. The time is at hand. Nous sommes à la fin des temps. Believers should be separating themselves from the things of the world. Les croyants devraient se séparer des choses du monde. The cares of the world. Les soucis du monde. The time is at hand. Le temps est à la fin. Believers, croyants, should separate themselves. Devraient se séparer de tous les soucis du monde. Of all the cares of the world. De yes. Toutes les choses du monde. All the things in the world. That's the reason. C'est la raison. I hammer at women and so forth. Je cogne sur les femmes et ainsi de suite. The way I have. De la manière dont je dois le faire. Separate yourself. Séparez-vous. From these TV programs. De ces programmes de télévision. Separate yourself. Séparez-vous. From this Hollywood evangelism. Ah, de cet évangile. De Hollywood. Ah, de cet évangile d'Hollywood. De la mondanité. The worldliness. Des habits qui serrent les corps. Clothes that are tightening the body. Séparez-vous de ça. Separate yourself from that. Oui, je dis. De leur maquillage. From the makeup. Ils savent que tu ne mettras pas les rouges à lèvres. Without you putting the lipsticks. Mais ils te donnent les brillants. They give you. The gloss, gloss lips. Ils savent que tu n'iras pas dans la boîte de nuit. They know you won't go to the nightclub. Tu n'iras pas dans les bars. You won't go in the bars. Ils t'amènent tous ces programmes-là à la télévision. He brings you all that program in the TV. Tu dois savoir quoi regarder. You have to know what to watch. Tu dois savoir qu'est-ce que les enfants regardent. You have to know what the children are watching. Maman, tu dois veiller Mom, sur tes enfants. Upon your children. Il y a des dessins animés qui sont pourris. Some cartoons are rotten. Je vous dis vrai. The truth, il y a même la pornographie dans les dessins animés. There's even the porn in the cartoons. Il y a des histoires pourries. There are rotten things. Toi, tu vas voir qu'un homme, mon fils, regarde ses malades. Les dessins animés. Mais c'est quel genre de dessin animé? What kind of cartoon? Une vraie mère. A true mother. Devait être au courant. Should be aware. De tout ce que son enfant fait. Of all that the child is doing. Si tout aujourd'hui je vois les enfants, même ma fille Rebecca, even my daughter, Rebecca,
Celle-là, tu ne la montres rien. You know, you don't show her anything. Mais elle prend le téléphone. She'll take the phone. Et elle se dispute avec toi le téléphone. Fighting with you for the phone. Ah, but donne-moi le phone. Donne-moi le phone. Et pas le téléphone, elle passe s'asseoir sur la chaise. Elle croise bien ses jambes. She crosses her legs. Elle entre sur YouTube. She gets on the YouTube. Elle met les histoires des enfants. Put the things of the children. En train de regarder. Watching that. Je me demande c'est quelle intelligence. What intelligence? Et si elle regarde quand tu dors? If she watches when you sleep. Qu'est-ce qui va la retenir de ne pas regarder les choses mauvaises qui se passent? Don't watch evil things happening. Enlever le téléphone. Remove the phone. À la disposition des enfants. In your children's hands. L'enfant doit être éduqué. The child has to be educated. L'enfant doit dormir avant son père et sa mère. The child has to sleep before his father and mother. L'enfant ne reste pas dormir après les parents. Sleep after the parents. Il doit y avoir des heures déterminées pour la télévision. Oh non, l'enfant va apprendre les dessins animés. Mon frère, ma soeur, ces dessins animés-là, la personne qui l'a fait n'avait pas été inspiré par le Saint-Esprit. Il avait été assisté par les démons. He was helped by the demons. Je vous dis la vérité. I'm telling the truth. Yes. Il y a d'autres dessins animés de Disney Channel. Other cartoons from Disney Channel. Qui n'ont que la magie sur magie. It's magic on the top of magic. Ici, la magie, c'est comme le pain. Yeah, magic is like bread. On n'a même pas honte d'en parler. Not ashamed to talk about it. À l'école, c'est ça. In school, that's it. Dans les livres. In the books. Dans les choses. In the things. C'est facile pour un enfant d'attraper ça ici. Easy for a child to get it here. J'étais à la bibliothèque. I was in the library. Je crois que j'étais avec quelqu'un que j'ai oublié. Word, someone I forgot. Vous étiez avec moi. On était en groupe. We're a group. Et Gideon Kassin, voilà. Gideon Kassin. Nous sommes allés dans la bibliothèque. We went to the library. À downtown. Then downtown. J'ai demandé à ce monsieur-là. I asked that man. Chérie, tu étais là, non? And you were there, right? J'ai dit, I want to buy. Je veux voir là où il y a des livres religieux. I want to see where there are religious books. On m'a dit. They told me. Va dans les Aisle 20. Go in aisle 20. Je suis allé dans aisle 20. I went in aisle 20. J'ai regardé. I looked. C'était peu comme ça. That was small. Peu. Small. Il n'y avait pas de Bible. No Bible. Il y avait des livres, des dictionnaires. J'ai acheté ça. J'ai books, dictionaries. J'ai commandé ça. I ordered them. Des gros dictionnaires comme ça. Big dictionaries. On a parlé des gens qui ont fait des révolutions et tout ça. Revolutions and stuff. Tournez-vous seulement comme ça. Just turn around. En face. Just a face. Du début from beginning, jusqu'à la fin. All the way down to the end. Magie noire, magie blanche. Vous étiez là, non? Magic bread. How to become a magician. Comment devenir un magicien? Tom 1. Like, Tom, first Tom. Tom 1, Tom 2, Tom 3. Dans la balivre. Look at the books. How to become a witch. Comment devenir une sorcière? Tom 1, Tom 2, Tom 3. Tom 1, 1, 2, 3. C'est free. C'est gratuit. Je vous raconte quelque chose qui est vrai. Allez à Downtown, vous allez voir ça. That. À l'école. In school. Ce livre-là de Twilight. Those book of Twilight. Twilight. Yeah. C'est la magie. That magic. Ce livre-là de Harry Potter, n'en parlons même pas. Book of Harry Potter. Lui, vraiment, il dit la sorcellerie. Vous voyez même, on met quelqu'un en train de voler sur les balais. Flying on the broom. Est-ce que le Saint-Esprit vole sur les balais? The Holy Spirit fly on the broom. Avatar. Avatar. Mais c'est la magie pure et simple. That magic. Comment tu peux laisser ton enfant regarder à ça? How can you let your child watch that? L'enfant peut te mentir, oh, j'aime beaucoup lui. Mais donne-lui les brochures. Give him the brochures. Donnez-lui la Bible. Give the Bible. On a beaucoup à lire. We have a lot to read. Ce n'a rien à lire qu'il vienne me voir. J'ai des choses à lui offrir. I have things to offer. Le tablette que vous donnez aux enfants. The tablet you give to your children. Do you have any time to check on it? Est-ce que vous avez du temps pour vérifier cela? Qu'est-ce que les enfants regardent dans les tablettes? What do the children watch in the tablet? Quel genre de game ils sont en train de download avant leur iPad? What game they downloading the iPad? Quel genre de livres? What kind of books?
Il y a des esprits mauvais qui circulent. Des fois, ça se retrouve dans les sacs de vos enfants, dans la maison. It's in the back of your child in the house. Ça crée des turbulences dans la maison. That creates turbulences in the house. Vous vous demandez qui nous a ensorcelés, qui nous a envoûtés. Mais c'est les sacs de ton enfant. That's the back of your child. Le signe doit être appliqué. The token is to be applied. Même chez les enfants. Even to the children. Ton enfant doit être meilleur dans la prière. To be best in the yes. Meilleur dans la lecture du message. Best in the reading of the message. Plutôt que dans les livres de l'école. Instead of the book in the school. Parce que ça n'aboutira à rien. Because it won't get to anything, c'est vrai. Écoutez-moi bien. Listen to me very well. Même si tu as eu 14-0 en mathématiques. Even though you had 14-0 in math. Si tu as le Saint-Esprit en toi. You're going to be in you. Si tu meurs aujourd'hui. If you die tu pars today, au ciel. You go to heaven. Si le Seigneur revient, tu pars à l'enlèvement. You go to the rapture. Peu t'importe les zéros que tu as eu. L'université, c'est rien devant Dieu. Ce n'est même pas la volonté de Dieu. Faut me dire chaque fois que tu ajoutes le diplôme, tu ajoutes les démons dans ta vie. Oui, c'est ça. Ça t'éloigne de Dieu. That puts you away from God. Et le prophète a dit, said, je préfère un païen qui n'est pas instruit plutôt qu'un païen bien instruit. Un enfant qui vous parle très bien l'anglais comme un américain. Mais tu n'auras pas la facilité de les convaincre. Tu parles comme ça, il parle comme ça. Tu lui dis ça, lui il dit ça. Toi, ton anglais, c'est limité, lui, elle continue. Ce genre d'enfants, il faut les bombarder dans la prière. That kind of children, bomb them in the prayer. Tu lui dis, tu es mon enfant. You tu n'es pas l'enfant de cet instructeur. You're not the child of that instructor. Aujourd'hui, tu ne partiras pas à l'école. Today you want to go to school. Toi-même, tu appelles la direction. Yourself, tu leur dis que mon enfant aujourd'hui ne viendra pas. Parce qu'elle est occupée par un problème. Trouve-toi une raison. Find the reason. Reste avec l'enfant. Stay with the child. Vous deux dans la maison. Pompez-lui la matière. Pump the matter. Nous ne sommes pas des Égyptiens. We are not nous sommes des Israélites. Nous sommes des Hébreux. Nous étions venus en esclavage. On va quitter ce pays. On va rentrer chez nous. We have to go back home. Maman, c'est ton travail. That's your job. C'est ce que la maman, Jochebed, c'est ce que Jochebed faisait pour Moïse. What's doing for Moses? Elle prenait Moïse contre les murs. Moïse, écoute-moi. Toi, tu n'es pas un Égyptien. Les gens qu'on tue là-bas, ce sont tes frères. Are your brothers? Ça entrait dans Moïse. That was the being of Moses. Pharaon pouvait dire, Ramsès pouvait dire, non, j'ai besoin de Moïse ici. I need Moses here. Mais sa maman disait non. The mom said no. C'est la maman nourricière. That's the nursing. Il dit non, Moïse a besoin d'allaiter un peu. Needs to be breastfed. C'est ce que tu peux faire. That's what you can do. Tu appelles dans l'air et quand tu dis non. Say no. Ma fille a besoin d'allaiter un peu. My daughter needs to be breastfed. Tu restes avec elle. You stay with her. Toute la journée. All day long. Matière sur matière. Matter upon matter. Maman prend la Bible. Take the Bible. Regarde ici, Dieu a dit. Look here, God nous sommes des pèlerins. We pilgrim. Regarde ici, Dieu Look a dit. Here, God tu ne peux pas toucher les choses du monde. Regarde ici ce que Dieu a dit. You ma fille, n'écoutez pas My tes daughter, amis. Don't listen to your ma fille, tu dois m'écouter. My daughter, mon fils, tu dois m'écouter. Maman, quitte les warehouses. Retourne dans ta maison. Go back home. Tu as un travail chez toi. There's a work at home. C'est d'encadrer tes enfants. Take care of your children. C'est de les amener au baptême du Saint-Esprit. Bring them to the pastor. Ce n'est pas le travail du pasteur. Not the work of c'est l'évangile de la maman. That's the gospel of the mother. Je dois vous dire la vérité. I have to tell you the truth. Je dois vous le dire. Mes enfants développent d'autres caractères que toi tu ne connais pas. Mais parce que tu es lâche, tu es en train de les couvrir devant les gens. Oh, on n'aime pas mon enfant. Oh, on parle à mal de mon enfant. Est-ce que tu as eu le temps de vérifier cet enfant-là? Est-ce que toutes les choses pour lesquelles on condamne ton enfant, c'est faux? Tu peux mettre ta main sur la Bible et dire que c'est faux. You can put the hand on the Bible and say it's wrong. Avant de dire que c'est faux, before you say it's you need to pray for it. Tu dois prier pour ça. C'est pas la prière de deux heures. Not the prayer of 2 hours. Non, ça demande le jeûne. That demands the fast. Oui. En Amérique, les enfants peuvent être des hypocrites. Tu ne sauras pas les contrôler. Chacun a sa voiture. Chacun a sa manière de vivre. En surplus, il y a la loi démoniaque sur eux qui les protège contre leurs parents.
C'est démoniaque. That diabolical. Tu peux même pas taper sur ton propre enfant. You can't even beat up on your C'est démoniaque. Vous devez suivre les enfants. Mais les parents fainéants. Il y a les parents lâches qui ont abandonné leurs enfants à la responsabilité des écoles, in the time of the school, de leurs professeurs. Moi, je ne le ferai pas. I won't do it. Je ne le ferai pas. Ton enfant, c'est ton sang. C'est la force de ton corps, la vigueur de ta jeunesse. Tu dois suivre ça. Non, maman. Venez à l'école pour demander à nos professeurs. C'est quoi le comportement de mon enfant? Qu'est-ce que mon enfant fait? Est-ce qu'il travaille bien à l'école? Papa et maman, consultez-vous dans vos maisons. Que quelqu'un quitte les warehouse pour rester à la maison. J'enlève les gants pour vous le dire. Je ne peux pas te cajoler. Tu auras beaucoup d'argent comme tu veux, mais tu élèveras 5 sorciers à la maison. En Amérique, ce n'est pas difficile pour un enfant de t'informer que je suis sorcier. Tu lui feras quoi? Tu lui feras quoi? What are you gonna do? Tu vas l'accuser où? You're gonna indict him where? Mais qui va souffrir? Who's gonna suffer? Mais c'est toi-même. Yourself. Vous voulez un pasteur qui vous prêche l'évangile de Hollywood? Preach the gospel of Hollywood. No. Hollywood, c'est cajoler les gens. Hollywood is to babysit people. Moi, je ne prêche pas les Hollywood évangélistes. Moi, je vous prêche la pure parole. I preach you the pure word. L'évangile à l'ancienne mort. Flabranum a dit, Susanna Wesley. C'est une femme qui avait 17 enfants. Mais chaque jour, elle priait. Pendant 2 à 3 heures. Et elle a fait sortir 2 puissants serviteurs de Dieu. John Wesley. Et Charles Wesley. Toi, tu as combien d'enfants? Comme on m'a dit, cette maman-là, à son temps, il n'y avait pas de machine à laver. Elle devait laver les habits avec ses mains. Ayant 17 enfants, je me demande comment Ruth peut se fatiguer avec 5 enfants. Elle avait 17. Elle n'avait pas de véhicule. Elle n'avait pas de machine à laver. Elle n'avait pas de réchaud. Elle n'avait pas de four. Elle n'avait pas de car seat. Elle n'avait même pas de sœurs qui pouvaient passer chez elle. Pour nettoyer pour elle les assiettes. Non. Toi, tu as combien d'enfants, ma sœur? Dis-moi. Et dis-moi, quel est ton horaire de la prière? Et moi, je te dirai, chez mon Dieu. Et tu attends que Dieu te bénisse. Tu attends que tes enfants soient spirituels. Parce que tu fais quoi? Parce que tu fais quoi? C'est ta responsabilité. Ce n'est pas au pasteur, c'est à toi. It's not the pastor, that's yours. De veiller sur tes enfants. Watch upon your children. De regarder ta fille. To look at your daughter. Comment est-ce que ma fille se comporte à l'école? My daughter behave in school. Quels sont les amis qu'elle a? What are the friends she has? Tu dois le savoir. You have to know it. Une vraie mère. Je parle d'une vraie mère. I'm talking about the true mother. You have to know it. Tu dois le savoir. Tu dois contrôler le téléphone de ton enfant. Control your child. Tu dois contrôler même son compte email. Control even the email account. Il n'y a pas de privacy chez nous. No privacy at a place. Nous ne sommes pas des Américains. We're not Americans. Oh, it's my privacy. It's oh, ça c'est ma vie intime. Non, c'est pas ta vie intime. That's not your privacy. Tu es l'enfant dans ma maison. You're not telling my house. I have to know it. Je dois le savoir. Non, moi ma fille Janice, je dois le savoir. Janice, I gotta know that. Non, je dois le savoir. I have to know it. Je n'entrerai pas dans les bêtises des Américains. Oh non, c'est sa privacy, c'est sa vie privée. Ce n'est pas sa vie privée. That's not privacy. Si on l'engrosse, ça sera la honte de toute la famille. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est la vérité. Privacy, c'est écrit dans quelle Bible? Where are you going to find the privacy? Which Bible? Dans quel verset? Which verse? Je parle à vous les parents. Vous devez vous rendre compte de vos responsabilités. Vous avez des responsabilités. Sur vos enfants. Upon the children. Sur vos enfants. Upon the children. Sur vos enfants. Upon the children. On a parlé. Spoke. Des enfants qui sont devenus délinquants. The children that became delinquent. Frère Branham a dit, Bob, I'm saying,
Moi, je ne condamne pas les enfants. I don't condemn the children. Je condamne les parents. I condemn the parents. Ce sont les parents qui sont devenus délinquants. It's the parents who became delinquent. Et ils n'arrivent plus à contrôler leurs enfants. So they can't control the children. Comment un parent peut devenir délinquant? How can the parents become delinquent? Ils sont en train de privilégier d'autres choses à la place de ses enfants. He's giving more interest at the other things. Tu as prié Dieu, donne-moi les enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants souffrent. Ils pleurent, ils gémissent. Seigneur, donne-moi même un servant. Mais Dieu t'a donné combien? God gave you how many? Mais toi, tu choisis de négliger tes enfants. You choose to neglect your children. Parce que ta maison doit avoir de belles chaises. You have nice chairs. Ton enfant. Your child. Demandez à moi qui fait les délivrances pour les gens. That is doing the deliverance for people. Je te conseillerais d'empêcher les esprits mauvais d'entrer dans ton enfant. To get in your child. Parce que sa délivrance sera comme because ça. The deliverance is going to be this way. Ça peut quitter, ça reviendra. That can leave, come back. Vaut mieux que ça n'entre même pas. Better not get inside. Pour que ça n'entre pas, ça te demande toi, maman, toi, papa, de prendre tes responsabilités. To take your responsibilities in both your hands. You cannot overtrust your son. Tu ne peux pas faire confiance à ton fils Alexei. Overtrust your daughter. Tu fais confiance à ta fille Alexei. Oh non, moi vraiment. Me really. Ma fille là, j'ai tellement confiance en elle. I really trust her. Elle est calme. She's quiet. Mais elle peut aussi être une sorcière. She can be also a witch. Peut-être qu'elle est une lesbienne. Maybe she's a lesbian. Oh, je ne la vois jamais avec des garçons. Never see her with boys. Mais il y a l'esprit des lesbiennes qui circule dans ce pays. Lesbian that is in this country. Je vous dis la vérité. Telling the truth, yes. Oh, j'ai confiance tellement à mon fils là. Trust my son. Je ne le vois même pas tout autour des filles. I don't see him around. Mais il peut aussi être un homosexuel. He can even be homosexual. À l'école. In school. Mais ces esprits là se trouvent ici en Amérique. Don't be here in America. C'est la vérité, pastor. Yes. Je vous dis vrai. Telling the truth. C'est Dieu qui vous parle. It's God talking to you. Réveillez-vous. Wake up. Une maman doit être protectrice. A mother want to be protector. Tu dois protéger tes enfants. You have to protect your children. Qui les fait nourrir? Who is feeding them? Même à l'église. Even in school. Nani akenda laisser la yomwana? Who is going to feed your child? Nani akenda ko changer le yomwana couche? Who is changing the type of your child? Qui est celui-là qui tu laisses aller voir toujours le corps de ton enfant? That you let your child to see the body of your child. Qui est celui-là que tu laisses toujours transporter ton enfant? Tu as vraiment confiance à l'esprit qui est en lui? Oh non, elle est vraiment une chrétienne. Et si elle est une lesbienne? Quel est l'esprit qui va mettre sur ta fille, sur ton bébé? Mais tu dois prendre tes responsabilités, amen. Quand tu as accepté d'être enceinte pour mettre l'enfant au monde, tu dois penser que je dois transporter l'enfant. Adapis dit des vérités. Adapis tells the truth. Adapis ne cache pas. Adapis doesn't hide. Je vous dis pas qu'avoir peur. Non, mais je vous dis la prévenance. I'm telling you to prevent something. Prenez vos responsabilités. Take your responsibility in your hands. Je vous dis vrai. I'm telling the truth. Quand nous on dormait, when we're sleeping, quand on était encore là, même quand on grandissait, even when we're growing up, vous dormez même dans votre chambre les garçons là. Even in your room of boys. À un moment, at some time, à toi là qui te conseille mon moment, à un moment, at some time, la porte s'ouvrira. The door will open. À un moment, at some time, tu dois le savoir que comme je dors ici, je ne dormirai jamais de maintenant jusqu'à matin sans qu'il y ait une sentinelle. Without a sentinel to come. À un moment, d'ailleurs, beside, on ne bloquait même pas la chambre. You don't, we never lock the room. Tu n'as pas le temps de bloquer la chambre. Pas de privacy. No privacy. Tu bloques la chambre. You lock the door. Papa vient là, il force la porte. He forces the door, he gets it. Il te posera la première you question. C'est ta maison. Is it your house? Tu es locataire chez moi. You are renting at my place. Tu fermeras la porte de ta chambre chez toi. Close the door of your own room. Pas ici chez moi. Not here at my place. Papa, réveille-toi. Dad, wake up. Va entrer dans la chambre de ton enfant. Wait in the room of your child. Elle n'a pas de privacy. Doesn't have any privacy. Allez voir. Go see. Est-ce que l'enfant là dort vraiment bien? Does the child sleep well? Et entrer dans leur chambre, prier dans cette chambre. Pray that room.
Entre dans la chambre de tes fils, de tes filles. Priez là-bas. Pray there. Appliquez les signes. Apply the token. Dans la chambre de vos enfants. In the room of your children. Vérifiez les closets de ta fille. Check the closet of your daughter. Moi, je m'étonne. I'm wondering. Comment est-ce qu'un enfant peut sortir avec une babouche? How can a child come out with a sneaker? Revenir à la maison avec un catch. Come back. Et maman ne lui pose même pas une question. Mama doesn't ask a question. Tu as eu ça d'où? Where did you get it from? Et chaque jour, tu vois l'enfant s'habiller avec un habit que tu n'as pas acheté. Dressing with some clothes that you didn't buy. Tu ne poses même pas la question, tu as eu ça d'où? Where did you get it from? Tu es irresponsable. You are irresponsible. Tu es irresponsable. You irresponsible. Bon, j'avais dit ça à l'école. No, I heard it from school. Quelle école? Which school? Ma mère. My mother. Il te prendra et toi. Gonna take you. Et la chose là. And that thing. Jusqu'à l'école. Go back to school. Montre-moi qui t'a donné. Show me who gave it to you. Oh, c'est lui qui m'a donné. He gave it to me. Prends ta chose. Take your thing. Mais je vous dis vrai. I'm telling the truth. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis là-dedans. You don't know what they put in there. Vérifiez les livres de vos enfants. Check the books of your children. Appliquez les signes dans la maison. Apply the token in the house. Fais sortir tout ce qui n'est pas de Dieu. Fais sortir la télévision dans la chambre de tes enfants. Remplacez cela par la Bible. Par les brochures. By the brochures. Oh non, ils ont les devoirs à faire. Qu'ils les fassent devant toi. Let them do it for dans ton ordinateur devant in toi. In front of you. Devant toi, maman. For c'est ton travail. That's your job. C'est ton travail. That's your job. N'est-ce pas, maman? My right, ma'am. C'est ton travail. That's your job. Tu dois être là pour voir. You gotta be there to see. C'est quoi ces devoirs-là? What's that homework? Aide-les. Help them. Amen. Amen. We need to come back to a deepness and sincerity. Nous devons revenir encore dans la sincérité profonde. Et dans la profondeur là. Ah. Dans une sincérité profonde. In a deep sincerity. Même dans ta prière. When your prayer. Dans la prière en famille. In the prayer in the family. Doit y avoir une sincérité profonde. There must be a deep sincerity. Yes. Priez tout le monde pour un cas. Pray everyone for one situation. Et voyez ce que Dieu fera. See what God will do about it. Sois sincère. Be sincere. Votre prière. Your prayer. Aura une très grande efficacité. Will have a very great efficiency. Vous savez pourquoi ça échoue? You know why it's failing? Frère m'a dit, it's because people is not ready to confess. Parce que les gens ne sont pas prêts à se confesser. They want to pray, God, you heal me, do this or do that or do that. But when it comes to dying out and confessing your sins and getting right with God, it isn't sin no more. Parce que les gens sont prêts à dire à Dieu, guéris-moi. Fais ceci pour moi, fais cela. Mais quand maintenant on vient au point de revenir à Dieu pour lui demander pardon, alors les gens ne le font plus. That is the reason we don't see no more healings than what we have. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons plus de guérison. Nous avons seulement ce que nous avons là. That is the reason I am preaching these things. C'est la raison pour laquelle je prêche ceci. C'est ce que Frère Branham a dit. That's what Bram said, yes. La raison pour laquelle je vous prêche des choses dures, c'est pour retourner Dieu ici, agir dans une manière profonde et puissante. On a deep and powerful way. Pour que Dieu agisse d'une manière excellente, il faut une sincérité profonde. It takes a deep sincerity. Yes. Faut que dans chaque foyer qu'il y ait l'unité, la compréhension mutuelle. Mutual le pardon mutuel. Mutual forgiveness. La joie. Joy. Je dis dans chaque foyer. Ça doit être là. Amen. That's the reason I'm preaching these things. C'est la raison pour laquelle je prêche ceci. That's the reason I'm preaching upon the token. La raison sur laquelle je prêche sur le signe. Le signe n'est pas une prédication facile. Frère Branham a dit, ce n'est même pas pour les débutants. Not even for the beginners. Ce n'est pas pour les gens qui essayent. For the people that try. Non, c'est pour les enfants de Dieu qui ont déjà pris la décision de quitter l'Égypte et de partir vers la terre promise. And to go in the promised land. Amen. Ceux qui ont envie de changer, those who want to change, de devenir parfaits, not perfect, ils ont besoin de ça. They need that. Des tokens.
le signe. Mes frères, nous devons être sincères. Brothers, we have to be sincere. L'un envers l'autre. One for another. Yes. Ne parle pas mal de ton frère. Dis-lui ce que tu as, ce que tu sens dans ton cœur pour lui. Yes, yes. That's the way to do it. Yeah, that's right. Si tu as quelque chose contre lui, dis-le lui. Yes. Si tu n'as pas ça, dis-lui aussi que tu l'apprécies. Tell him that you appreciate him. Et plus, on the top, le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un, best advice you can give someone, ça va lui pénétrer. Will penetrate him. Si tout le temps tu lui dis d'autres choses. If all the time you tell him all the everything else. Si tout le temps tu vois all le petit ici Jacques. You see this little Jacques. Jacques, je t'aime beaucoup. Jacques, hein. I love you a lot. J'apprécie comment tu danses. Appreciate how you dance. Vous vous séparez. Separate. Tu reviens encore une autre jour. Come back another day. Ah Jacques. Jacques. Tu es beau hein. You're handsome. Ah vraiment j'aime beaucoup ta taille là. I like your size. You be good. Vraiment je t'apprécie. I appreciate you. God bless you. L'autre jour tu viens the encore. The next day you come again. Ah Jacques. Jacques. Toi, vraiment tu t'habilles really très bien. Dress well. Vraiment ta maman vraiment. Your mom elle really prend un très bon soin de toi. She takes good care of you. Quand Jacques fera quelque chose de mal, Jacques is going to do something wrong. Tu viens, tu lui dis, Jacques, come tell him, Jacques, tu sais que je t'apprécie. You know that I appreciate tous les jours, je te l'ai dit. Every day I tell you that. Mais aujourd'hui, by the day, je voulais te dire que je n'ai pas apprécié. That I did not appreciate. La manière que tu as répondu, c'est grand the way you answered that great ce man, n'était pas normal. That wasn't normal. Jacques dira, oh. Jacques will say, oh. Ce monsieur, si tous les jours, friend, il me félicite, day, he congratulates me. S'il a parlé comme ça, spoke that way. En d'autres termes, il a vraiment and compris, j'ai mal fait. Understood that right. Mais c'est ça. Jacques dira, pardonne-moi. Prie pour moi. Et j'arrangerai ça. Jacques danse bien, tu ne lui dis pas. Il s'habille bien, tu ne lui dis pas. Il parle bien, tu ne lui dis pas. Le premier contact que tu auras avec Jacques, yo Jacques, osez poli. Quoi de ma paix. Jacques en fingayo. Et il a raison. Mais oui. Jacques a raison. That is right. Yes. Mais c'est ça. Yo Jacques, moi ma bé. Maman a dit comme ma bé. Mam did it educate you well. Ah? Ah, on change là. Yo nous avons ma bé. Yo nous a mal éduqué. C'est normal. That's normal. Quand il faisait du bien, tu étais où? Quand je prêchais bien, tu étais où? Quand il chantait bien, tu étais où? Toi, tu ne vois que la négativité. Quand sa voix sortait bien, well, tes oreilles étaient où? Your ears were where? Toi, tu n'écoutes que quand sa voix est brisée. Only when the voice is broken. Oh, tu es sorti des gammes. You came out of mais quand elle était dans la note, when she was in the note, toi, tu étais où? Where were you at? Est-ce que tu as déjà pris le temps de le féliciter? Ou dis-le, en tout cas, mon frère, tu joues bien really la guitare. Brother, ah, ma sœur, vraiment, tu joues my bien. Really mais prenez le temps pour l'apprécier. Les jours qu'il jouera mal, quand tu le lui diras, il changera facilement. Yes. N'est-ce pas, ma sœur Sarah, ma right, fille? Yes. Vous dire quand tu apprécies quelqu'un, dis-le lui. Comme ça, les jours que tu verras quelque chose de mauvais, tu lui dis, ah, Chati. Yom tous à moi, madame, le lobby pour poigne. Why did you speak that way? Et ça changera. That will change. Ça changera. Yeah, that's right. Apprécier les bonnes choses qui se font ici. Appreciate good things happening. Moi, quand je parle avec mes collaborateurs, my collaborators, n'est-ce pas? Yeah, that's right. Yeah. Je les dis que je les apprécie. Tell them that I appreciate them, yes. Quand je parle avec eux, I spoke with that, je reconnais chaque effort qu'ils fournissent pour que cette église avance. So this church can move forward. Parce qu'elle n'avance pas seulement but pour moi. Forward for me. Derrière moi, behind il y a me. Des engrenages qui tournent. Mechanism working. J'ai les gens qui travaillent dans l'ombre. People working in the shadow. Ils sont représentés par moi. They're represented by me. Pour que l'église avance. For the church to move forward. Quand je quitte ici, je rentre when là-bas. There, I go back there. J'appelle les vaches, je leur dis que Dieu vous bénisse. May God bless you. Merci pour ce que vous faites. Thanks for what you're doing. J'appelle les dieux que je dis, call je vous apprécie. Say, I appreciate you. Merci. J'appelle thank les administrateurs, je dis merci. I say, thank you. Quand ils disent, pasteur, c'est toi, je dis, pastor, c'est vous. I say, it's you. C'est comme ça, on aura. That's right. C'est ça. Je dis, c'est vous. Yes, yes. Et quand je n'apprécie pas quelque chose, I don't appreciate something. Quand je le fais à soi, when I make them sit down, pour leur dire que vos retards là, je n'apprécie pas ça. Ils ont les larmes aux yeux. They have tears in the et leur réaction, c'est quoi? What is their reaction? Pardonne-nous, pasteur. Forgive us, pastor. That's right. Nous ferons l'effort pour changer. We'll make the effort to change. Am I leading by example? Yes, you're leading by example. Yes. Yes. Quand ils font du bien, je leur dis, when vous faites good, du bien. I tell them good things, yes. J'ai pris tous les musiciens. I took all the musicians. J'ai pris tous les vases. Took all the vessels. Les techniciens. Technicians. Je les ai surpris. I surprised them.
J'ai dit, nous avons une réunion spéciale. We have a special meeting. D'autres tremblaient. Others were trembling. Comme les Rachel Mbia. Like Rachel Mbia. Elle se disait, tout ça, Jésus. So what have we done else? Tout ça, le pasteur Nini. What have we done the pastor? J'ai dit, et les musiciens, et les techniciens, tout le monde, j'ai besoin de vous voir. I need you to see quand? When? Le lundi. Monday. Ça n'a jamais existé que le pasteur ait une réunion avec les musiciens. J'ai dit, j'ai besoin de vous. I say, I need you. À 18h, tout le monde. 6 o'clock, soyez là à l'église. We are there in the ils étaient là attendant. They were waiting. Les autres priaient déjà. The one praying already. Oh Seigneur. Oh Lord. Je dis, on va nous gronder comment? They are gonna yell us. Je suis venu, j'ai dit, allez, sortez. I came, I said, go out. Ils ont eu peur. They were afraid. On a fait encore quoi? What are we, what eh bien, allez, suivez-moi. So follow me. Et nous partons au restaurant. We're going to the restaurant. On s'est assis. We sat down. On a mangé. We ate. Ils croyaient qu'après ça, j'allais les gronder. They thought after that I would yell at them. Je leur ai dit, mais non. I said no. Je vous ai amené ici pour vous dire you here, merci. Tell you thank you. C'est ça la réunion qu'on devait avoir. That the meeting went, je vous apprécie. I appreciate vous you. Chantez bien. You sing vous well, jouez bien. You play well. J'aime les efforts que vous fournissez pour que l'église avance. For the church to move forward. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je ne sais pas comment vous payez. Don't know how to pray. Je préfère que vous mangez avec I'd rather for you to eat with me. On a passé un très bon moment ensemble. On a pris des photos. Et on s'est séparés. Ils sont rentrés, je suis rentré. They went home. Quand je n'apprécie pas une réaction de leur part, reaction from them, quand je vais leur parler, when I'm gonna talk ça to sera them, direct. That will be straight. Et ils sont ah, le pasteur. They looked at the pastor. Ah, mais moi, ils sont au restaurant. Takes us to the restaurant. Tout ça, bien. If we do good. Abet et l'habit sont à Boko. Il nous achète les pizzas. Buying the pizza. S'il est fâché, mad, c'est qu'il a raison de se fâcher. That means it's right to be mad. Alors la seule chose à faire, the only thing to do, pardon nous, pasteur. Forgive us, pastor. Et l'église avance. And the church move forward. Say something good to your neighbor. Dites quelque chose de bien à votre voisin. Yes. Tell him how much you do appreciate him. Dites-lui combien vous l'appréciez. Tell him. Dites-le-lui. Tell it to him. Dites-le-lui. Oui. Oui. Dis-lui ça. Tell him that. Yeah, that's right. Yeah. Que mon frère le diacre. My brother deacon. Yeah. Moi, je t'apprécie. I appreciate you. That. Yeah. That. Je prie pour toi. I pray for you. Je sais que tu as envie d'être un I bon diacre. I know that you want to be a good deacon. Tu n'es pas encore arrivé. You're not there yet. Mais sache qu'il y a des genoux qui prient pour toi. But know that there are praying for you. Et tu y arriveras. You'll get to it. Ça lui donnera le courage. That will give him the courage. Pour aller vers la perfection. To go to the perfection. Plutôt que de voter contre lui. Instead of to vote against him. That's right. That's right. Yes, yes, yes. C'est profond. That's deep. Très profond. C'est profond. That's deep. Yes, very deep, very deep. Dis-lui, je sais que tu as besoin. Tell him I know that you need. D'être un bon diacre. Parce que quand tu avais accepté d'être diacre, you accepted to be a deacon, tu voulais être le meilleur. You wanted to be the best. Mais tu n'y arrives pas. But you can't really. C'est parce que je ne priais pas. Because I didn't pray a lot for you. Mais maintenant je change. But now I change. I will be praying for je you. Je prierai pour toi. C'est la leçon de la perfection, mes frères. The lesson of perfection. I'm loving this. Wonderful. Un jour, je prêchais des choses comme ça. One day, I preached stuff like that. Je suis rentré à la maison, ma zangou m'a appelé. My zangou called me. Pasteur. Pastor. Tu m'as déçu. You disappointed me. Oh. I said, oh. J'ai encore fait quoi? What have I done? Oh, comme t'es mon aîné. You became a big guy. I didn't know that way. You are comme ton papa. You someone the papa. Oh, ma zangou. Pasteur. Mais je dois changer, non? I gotta change, right? Ah oui, non. No. So you come here, we say the war is silly. When it's like this, so the war is over. We gotta leave the war. Non, on doit s'aimer. We have to love. On doit s'aimer. We have to love one another. Yes. On doit yes. se supporter. We have to bear for with one another. Yes. Amen. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Believe many things have been said. Mais je crois que l'essentiel que tu as compris aujourd'hui, that you understood today, que Dieu t'aide pour que tu appliques ça. May God help you so you can apply. Faut que la vie de Dieu soit en toi. God's life to be in you. À moi. In me. The life of Jesus. La vie de Jésus. Prenez Jésus là. Take that Jesus. Plus ce corps là. Not that body. Mais en toi. In you. Allez-y commencer à lire des Matthieu jusqu'à finissez les actes des apôtres. Finish acts of apostles. Et voyez ce que Jésus a fait. See what has Jesus done. Maintenant, prends ta vie, mets ça côte à côte avec put it on the side with that. Et vois à quel niveau tu es. And see what level you are. Et à partir de ça, dis à Dieu, from aide-moi. That, tell God, help me. Parce que j'ai besoin d'atteindre ce niveau. Because I need to get that level. Ah, c'est resté. Sister Esther.
Jésus, quand on les critiquait, il n'a rien dit. They were criticizing, you didn't say anything. C'est Jésus-là en toi. That Jesus in you. Si on te critique, il ne dira toujours rien. Won't say anything. Jésus, on a tapé sur lui. Jesus, they beat up on him. Il n'a pas réagi. He didn't react. C'est Jésus-là en toi. That Jesus in si you. On te tape, il ne réagira beat toujours you. Pas. Will not react. Parce que Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, Hebrews aujourd'hui et éternellement. He's the same yesterday, today, forever. Vous comprenez? You understand? Yes. Jésus sur la terre, il a fait des grandes choses. Jesus on the earth did great things. C'est Jésus-là en toi, that il Jesus fera la même chose. We do the same thing. S'il ne le fait pas, c'est doesn't qu'il n'est pas là. That means he's not in there. On doit travailler pour qu'il we soit là. Work so he can be. Yes, yes. On doit prendre tout ce que nous avons comme émotions, all that we have as emotions, condenser ça, condense that, et canaliser ça, and channel that, vers une substance dans ton âme. To where the substance in your soul. Yes. Pour dire, Seigneur, say Lord, j'ai vraiment besoin de toi. I really need you. Dans mon âme. Praise the Lord in my soul. Savoir que tu es là. To know that you are in there. Savoir que tu vis en moi. Know that you live in me. Mes frères, my brothers, ne regarde pas ton voisin. Don't look away at your neighbor. Ne me regarde même pas don't moi. Even look at me. Regarde toi. Look at you. Ta relation toi. Your relationship avec Dieu. With God. Tu es à quel niveau? What level are you on? Ne regarde pas qu'est-ce que le diacre a fait. What the deacon has done. Qu'est-ce que ta sœur a fait. What your sister has done. Qu'est-ce que ton frère a fait. What your brother has done. Regarde d'abord toi. Look at yourself. Toi avec Dieu. Yourself with God. Tu es à quel niveau. What level are you on? Quelle est ta relation. Okay. What is your relationship avec Dieu. With God. Est-ce que tu peux dire que réellement. Can you say that really? Dieu est ton ami. God is your friend. Est-ce que tu peux vraiment dire can you say que ce n'est plus moi qui vis that it's no more me living, mais c'est Christ qui vit en moi. That Christ is living in me. Si c'est Christ qui vit en that toi, Christ living in me, c'est que la réponse que tu m'as donnée, c'est Christ qui m'a that donné. You gave me, it's Christ that gave it to me. Alors je suis désolé de so ce Christ qui peut parler avec arrogance. That Christ that can talk with arrogance. That's right. Est-ce que vous me saisissez? Do you get, yes. Prends un peu ta vie, pèse-la toi-même. Weigh it yourself. C'est comme j'ai dit, l'autre est mort. As I said, the other one's dead. C'est le monde entier qui l'a pleuré. The entire world cries. Tout le monde l'a pleuré. Everybody cries. On a fait des deuils qui coûtent des millions. The mourning that cost millions. C'est une très bonne chose. That's a good thing. Mais le cadavre là, but the corpse ne comprend rien. Does not get it. Mais son âme, but a soul est allée quelque part. Went somewhere. Là où ça doit rendre compte. Yeah, we gotta give back the account. Yeah. Mais son âme est où? The soul, where is it at? Je préfère I'd rather quelqu'un qui est mort dans la forêt, someone that is dead in the forest, bouffé par les animaux, eaten by the animals, ayant le Saint-Esprit, having the Holy Spirit, dans son âme, in his soul. Personne n'a vu comment on l'a bouffé. No one has seen the ways that eat him. Nous le verrons au ciel. You shall see him in heaven. Plutôt que celui pour qui on fait des funérailles en pompe. They do funerals, pigs funerals, et qui ira en enfer. Then that would go to hell. Et toi maintenant ce yeah, soir. You tonight. Si tu vas mourir, if you die, quel est ton état d'âme? What's the state of your soul? Si tu vas mourir dans un accident cet après-midi, if you die in an accident this afternoon, tu vas aller où? Where will you go to? Ce soir, tonight, si Jésus doit revenir pour nous prendre, if Jesus is coming back to take us, est-ce que tu peux te compter parmi les gens qui vont aller? Can you count yourself among the people that will go? Tu vas dire qu'on a toujours posé cette question. Because I ask that question all the time. Mais chaque jour n'est pas dimanche. But every day is not Sunday. Tout peut arriver. Anything can happen. Nous sommes les gens qui vivent par grâce, qui vivons par grâce. People that live by grace. Parce que nous ne savons pas demain. Nous ne savons même pas la minute qui vient. We don't even know the next minute. Nous ne savons même pas 17h, qu'est-ce qui va arriver. We don't know at 5 o'clock what's going to happen. Ceux qui sont morts en Haïti ne savaient pas. Dead in Haiti, they didn't know, that's right. Le tremblement de terre est venu. The earthquake came. Boom. 200 000 personnes mortes. 200 000 people dead. Yes. Ceux qui sont morts à. Those who are dead. Frère Jomo, c'est où? Fukushima. Fukushima, Japon. In Japan. Ils n'attendaient pas ça. They were not waiting for that. Tsunami. The tsunami. Ils n'attendaient pas ça. They were not waiting for that. Ce qui peut nous arriver après ici. What can happen right after here? Personne ne le sait. No one knows it. That's right. Ce qui peut m'arriver moi. What can happen to me? Personne ne le no sait. No one knows it. That's right. J'ai vu les images des prédicateurs. Il a prêché, il a fini. Il s'est assis là-bas pour se reposer. Il est mort. Died. Yes. J'ai vu ça. I've seen that. Donc il y a pas de garantie que nous allons toujours rester comme no ça. No guarantee that we're going to stay that way.
Mais avant que quelque chose t'arrive, before something happened to you, pendant que tu es en vie, ma soeur, while you're alive, my sister, c'est quoi ta relation avec ton Dieu? What's your relationship with your God? C'est quoi ta relation? What is your relationship? Est-ce que Dieu te connaît? Does God know you? Est-ce que Dieu peut parler de toi comme il a parlé pour Job? Can God talk to you, talk about you the way he spoke for Job? Quelle est ta relation? What is your relationship? Je ne parle pas de l'autre. I'm not talking about someone else. I'm talking to you. Mais je te parle à toi. Non, c'est toujours l'autre qui me provoque. All the time, oui. The other one provoking me. Yes. L'autre est là. The other one. Il a sa destination. He has his destination. Mais toi. How about you? Tu vas descendre où? Where are you going to get down to? Dans un train. In a train. Il y a beaucoup d'arrêts. There are many stops. Tout le monde qui y entre. Everyone that is stepping in. Il sait où est-ce qu'il va descendre. Knows where he's going to stop at. Tout le monde le sait. Everybody knows. Même dans les bus. Even in the bus. N'est-ce pas Henriette? Right, Henriette. L'autre sait il va descendre. The other one knows he's gonna, he's gonna get off. L'autre sait il va aller jusqu'à sur Eastway. The other one knows he's gonna go. L'autre sait il ira jusqu'à North Train. He's going to North Train. L'autre sait que lui il ira jusqu'à downtown. He's going to downtown. Celui qui va descendre à Eastway. Get off in Eastway. Ne peut pas prendre beaucoup de temps de causer avec celui qui descend au downtown. The one is going to get off in downtown. Tu vas dépasser ton arrêt. You will go over your stop. Même quand nous venons à l'église, church, chacun connaît sa destination. Each one knows his destination. Chacun de nous sait each où est-ce qu'il va partir. Where he's going. That's right. Yep. Yep. Tout le monde sait la mission qu'il a amenée. Everyone knows the mission that brought him here. Tout le monde. Everyone, yes. Tu peux être pris dans la distraction de quelqu'un qui sait volontairement really qu'il ira en enfer. He's gonna go to hell. That's right. Il y a un enfant, non? Child, right? Je cause avec lui. Je lui ai demandé si toi la mort t'arrive aujourd'hui, tu es là. Il me dit en enfer. He said to hell. En enfer. In hell. Il est ici comme je parle. He's here as I'm talking. Je lui ai dit toi. I said you. Si tu mourais maintenant. You die now. Tu iras où? Where will you go to? Il dit papa t'a pris en enfer. Say, papa t'a pris to hell. Je dis mais pourquoi tu ne peux pas quitter cette vie là? Why can't you live that life? Pour venir là où tu iras au ciel. Come where you'll go to heaven. Et celui qui sait qu'il ira en enfer, penses-tu qu'il va aider Jacques pour aller au ciel? Non. Le pensez-vous? Lui dit ouvertement qu'il ira en enfer. Et il va t'aider toi pour aller au ciel. To il va te distraire. He's gonna distract you. Yes? C'est pourquoi j'ai dit ne suivez pas la distraction de l'autre. Tu n'es pas venu avec l'autre. You didn't come with anyone. Tu n'es pas venu pour qu'on apprécie comment tu t'habilles. Tu n'es pas venu pour qu'on apprécie ta chevelure. Say, tu es venu pour être sûr que Dieu est dans ton âme. To make sure that God is in your soul. Amen. 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 S'il n'est pas là, tu le sauras. If he's not there, you will know it. N'attendez pas demain. Don't wait for tomorrow. Aujourd'hui, c'est ton jour. Today's day. Pour donner à Dieu ton âme. To give to God your soul. N'attendez pas demain. Don't wait for tomorrow. Écoutez pas le diable. Don't listen to the devil. Écoutez ce que Dieu t'a dit. Listen to what God has said. Prends la décision. Take the decision. Que Dieu puisse entrer dans ton âme. Get to step in your soul. Yes. N'attendez pas les journées de réveil. For the revival days. Peut-être qu'on va t'enterrer avant ces jours. Maybe you're going to be buried before that day. Yes. Venez. Come on ye. Quand il y a encore temps. As there is still time. Prenez la décision. Take the decision. De suivre Jésus-Christ. Follow Jesus Christ. Prenez la décision. Take the decision. D'avoir Jésus dans ton âme. To have Jesus in your soul. Yes. Alors qu'il y a encore les jours. While there is still time. Venez à Jésus. Come on you to Jesus. Laisse ta colère. Leave your anger. Laisse les critiques. Leave the critics. Laisse la haine. Leave the hatred. Laisse les mauvaises réactions. Leave the bad reactions. Les mauvaises réponses. Bad answers. Les mauvaises attitudes. Bad attitudes. Les mauvaises humeurs. Bad moods. Laisse tout ce qui n'est pas bon. Leave all that is not good. Dont tu sais que c'est pas bon. That you know is not good. Et revenez à Jésus. Coming back to Jesus. Et il est prêt pour te recevoir. He's ready to receive you.